Une petite vidéo ce matin pour moi en tout cas, qui va peut-être faire plaisir à ma mère, à moins que ça la fasse complètement flipper, et pas que la mienne, tous vos parents, tous les parents qui auraient aimé que leurs enfants fassent des bonnes études dans de hautes écoles, puis qui finalement n'en ont pas eu les moyens, ni les capacités parfois. Oui, moi j'aurais peut-être pas eu les capacités, hein, je dois dire. Ben, ça dépend dans quel domaine, mais bon, toujours est-il. Il y a une info qui est passée sur les ondes dernièrement, qui a été reprise donc au moins par RTL, et qui dénonce un scandale aux États-Unis sur les admissions fraudées dans les grandes écoles. Stanford, Yale. Il y a une cinquantaine de célébrités, dont des PDG, des acteurs. Hein, ça a touché des acteurs qui sont célèbres en ce moment dans une série. Je sais pas laquelle. Puis je m'en fous alors. Et donc, il y a quelqu'un qui a été jusqu'à verser 1,2 million de dollars pour corrompre les examinateurs à l'examen d'entrée. Hein. Il y a des gens qui sont servis de Photoshop parce qu'il y a plusieurs raisons pour être admis dans une autre école. Et il faut en général être excellent, hein, en tout cas. Et donc, ou en sport, ou en quelque chose, en une matière, une discipline quelconque. Et il y a des gens qui ont photoshopé des photos, donc d'épreuves sportives aux Jeux Olympiques en y mettant la tête de leur enfant, comme s'il était sur le podium, des choses dans le genre. Je rigole, mais c'est une catastrophe. Donc ça signifie qu'il y a des gens qui rentrent dans ces grandes écoles-là par piston monstrueux, qui, à mon avis, d'ailleurs, sont constamment entretenus. C'est-à-dire que ceux-là, ils peuvent avoir un accident de voiture le soir en rentrant, ils peuvent déconner sérieusement, hein, je veux dire. Criminellement, avec des petites étudiantes ou des petits étudiants. Ils peuvent, par hasard, flinguer un de leurs collègues lors des bizutages et se retrouver donc à Yale ou à Stanford. Et puis, de ce point-là, maintenant qu'ils ont commencé à déconner et puis qu'on sait qu'ils sont entrés frauduleusement, eh ben, être très intéressant pour, par exemple, je ne sais pas, peut-être. Comment s'appelle-t-il déjà cette société secrète de Yale? Non, c'est pas les Skull and Bones quand même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils rentrent dans les Skull and Bones ou autre chose, hein? Et ils vont faire tout ce qu'on leur demande. Parce qu'on a déjà un dossier comme ça sur eux avant même qu'ils soient rentrés dans l'école, quoi, quasiment. Mais un dossier occulte, secret. Et après, ces gens-là vont se retrouver au gouvernement, dans des institutions financières ou économiques ou. Et vont pouvoir continuer à mentir, tricher, voler. Piller les pays, martyriser les gens, organiser des trafics, pratiquer des politiques aberrantes qui ne vont servir finalement que les lobbies. Les dix lobbies sont tenus évidemment par, en général, globalement, tout au bout, le complexe militaro-chimico-industriel. Il y a des gens qui rajoutent ITI là-dedans. On peut dire ITI parce que il y a au moins deux secrétaires, enfin le secrétaire comptable, des personnes qui avaient un haut poste dans les entreprises financières. Entreprise, ce n'est pas le mot, mais enfin, vous allez, vous comprendrez. Département de l'économie américain ou des choses dans le genre, ou de la finance, donc. Et qui ont dénoncé des gens avec un crâne allongé qui tenaient la haute finance, des gens spectaculairement intelligents, avec des QI remarquables, mais sans aucune empathie. Oui, parce que ça, sur ma chaîne, d'habitude, je ne traite pas de politique pure comme ça, quoi. Hein?
Tandis que maintenant, si on se rend compte que globalement, il y a le complexe militaro-industriel, plus dans la finance, une race étrangère non humaine qui maintient la haute finance, qui la contrôle. Voilà que cette information. Voilà. Voilà pourquoi je la traite, quoi. Enfin, globalement, je dénonce un théâtre social, hein. Un théâtre social qui est mené par, qui n'est pas mené par l'homme. Voilà, en fait, il n'est pas mené par l'homme. Donc, on en finit par avoir des lois qui sont des lois et des projets qui sont à base non humaine, sans respect pour la vie, sous les prétextes faux en général. Mais qui intéresse les stratégies de ces bergers de l'humanité qui ne sont pas là pour la garder en bonne santé, hein, en ce moment en tout cas. Donc, ben, j'aurais pas beaucoup de. J'ai cherché là pendant 1 heure cette vidéo. Il me semblait que c'était James Corbett et son pote de Média Monarchie. Qui avait fait une vidéo là-dessus, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je ne suis retombé que sur celle d'RTL, quand même. Une radio française qui en a parlé, mais ça, je pense que les gens n'ont pas été jusqu'au bout du raisonnement. Donc vous voyez, si vous êtes bon ici, ben vous n'aurez pas votre place non plus. Parce qu'à votre place, on va mettre quelqu'un qui est peut-être moins bon, mais qui aura des meilleurs résultats, bizarrement. Et qui, une fois au pouvoir, va être une potiche, un zombie téléguidé, qui pourra faire n'importe quoi, qui passera toujours entre les mailles du filet, de la justice, qu'on va même promouvoir lorsqu'il aura fait une erreur monstrueuse. Qui aura gravement touché le pays, l'économie, la santé. La santé, oui, des trucs comme les vaccins, vous savez. Des millions de doses de vaccins inutiles et empoisonnés. Qu'on a payés. Nous, on les a payés. Et puis en plus, comme on ne nous les a pas administrés, par chance, bah, par malchance, je crois qu'ils ont été revendus ailleurs, dans d'autres pays. Plus ou moins du tiers-monde, comme cela a déjà été fait avec les produits du sang contaminé, avec les produits laitiers provenant de la période de Tchernobyl, et comme aujourd'hui doit se faire avec tous les produits de la mer qui sont tirés du Pacifique, autour du Japon ou de la Californie ou de l'Alaska, là où Fukushima continue de déverser ses horreurs. Alors là, je vais faire un petit encart parce que finalement, ces produits radioactifs qui sont déversés de partout, j'avais trouvé une vidéo issue du Club Suisse de la Presse. Ça s'appelait Transmutation biochimique par la méthode. En fait, c'est une équipe russe qui avait trouvé que des micro-organismes, alors des microbes, des amibes ou je ne sais pas, hein. Conjugués avec certains champs électromagnétiques, arrivaient à décomposer les déchets radioactifs en leur faisant redescendre tout le tableau de Mendeleïev depuis leur position très lourde et très radioactive jusqu'à chacune des étapes. Et il faut savoir que parmi ces zones du tableau de Mendeleïev où il y a des produits radioactifs, il y a aussi des éléments qui ne sont pas radioactifs et qui sont très recherchés. En ce moment, notamment, pas mal d'éléments qu'on trouve dans les terres rares, qui sont excessivement chers à fabriquer. Or là, on a un produit radioactif, polluant, tuant, mortel, dangereux sur des générations et des générations, qui se déverse dans l'eau. Et si on voulait, eh bien, on pourrait le transformer en autre chose. Et on en a une quantité incroyable.
Hein, on en a une quantité incroyable de ces produits dont on ne sait plus quoi faire. Enfin, nous, les humains, on ne sait pas quoi en faire, mais ces gens dont je parlais, ces gens, ces entités dont je parlais au début de la vidéo, qui nous maintiennent, enfin, qui nous maîtrisent, qui nous dirigent, qui nous massacrent, ben, pour eux, ça les intéresse. Hein. Ça les intéresse de maîtriser la population humaine à un nombre réduit et à un niveau mental très réduit. De toute façon, non seulement à ce qu'on ne réagisse pas, puis qu'on soit malléable. Donc. Et donc, oui, on pourrait même faire de l'or. Hein. L'or, c'est un élément lourd aussi, il n'est pas loin de cette zone-là. Mais de toute façon, on pourrait redescendre jusqu'à l'hydrogène ou l'hélium. Enfin, l'hélium, ce n'est peut-être pas forcément vraiment un élément chimique, en fait. Peut-être un état particulier. Une substance particulière. Ah, on va laisser passer le tracteur. Voilà, j'ai au moins trouvé la vidéo sur la transmutation d'éléments chimiques par la méthode. Ouais, mon titre est tronqué. C'est une vidéo d'une heure et demie qui est traduite en anglais. Ce monsieur est russe. Et celui-là est le présentateur. Qui traduit en anglais, plus ou moins. Et elle est aussi traduite, sous-titrée en français. Je ne sais plus chez qui, mais si vous allez sur votre moteur de recherche, vous allez sûrement avoir les deux dans les résultats. Ah ouais. D'ailleurs, à ce propos, je remarque j'ai aussi en stock la vidéo d'un exposé de M. Jean-Paul Biberian lors d'une conférence sur TEDx de Nice en octobre 2013, me semble-t-il, justement à propos des transmutations biologiques. Donc ça, c'est du français et donc c'est accessible à tout le monde. Donc, tous ces gens qui ont usurpé leur poste, leur salaire, leur aura de respectabilité, vont donc obéir aux ordres qu'on leur donnera et vont empêcher l'évolution de l'humanité d'une manière discrète et voire même ironique. Parce que les gens qui, en général, inventent ou arrivent à des raisonnements qui pourraient résoudre des problèmes vont être moqués. Donc, on n'est pas prêt de voir admis tout ce que les gens qu'on appelle conspirationnistes essayent de revendiquer comme étant d'autres solutions ou étant des scandales. Et ça commence tôt. Et ça correspond à autre chose. J'avais rencontré des gens qui avaient refusé mon contact, rapproché. Sous des prétextes qu'ils ne m'ont pas divulgué et qui, sur l'instant, m'avaient laissé fort frustré. Mais comme par la suite, il m'est arrivé de les revoir à des postes incroyables, fort proches du pouvoir, au sommet du pouvoir, au sommet de l'information, et d'autres postes, parce qu'il y a des postes non publics, qui ont énormément d'importance dans nos administrations. En fait, Jacques Bergier, je crois, avait dit « Vous pensez connaître les dirigeants de la République, vous vous trompez. Les gens qui dirigent vraiment, vous ne les connaissez pas, ils sont dans l'ombre. » Voilà. Voilà le problème auquel on est heurté aujourd'hui.
enfin, qui nous heurte aujourd'hui et auquel on est confronté. Mais je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir rétablir un semblant d'intelligence, de bienséance, de justice dans ce domaine, si ce n'est en dénonçant quelque chose qui va révolter absolument tout le monde, comme je subodore le Pizzagate. Pour ceux qui ne savent pas, le Pizzagate, c'est un scandale qui avait commencé à être révélé autour de l'affaire Podesta. Ce sont des gens qui pratiquaient des pédocrimes et communiquaient entre eux sous forme codée, avec un langage qui correspondait au langage culinaire pour décrire toutes sortes de pizzas et d'autres plats. Chacun des ingrédients du plat étant en fait une qualité de victime ou une qualité de traumatisme qu'elle allait subir. C'est-à-dire que c'est une horreur, quoi. En fait, c'est juste inimaginable pour la majorité des gens. Et une fois qu'on y est confronté, c'est assez traumatisant. Donc il faut faire le pas, il faut se rendre compte que les choses ne sont pas faites pour s'améliorer, mais elles sont faites pour se détériorer, avec l'idée qu'ils vont en plus en tirer un bénéfice, voire des bénéfices, en tout cas financiers, et d'autres bénéfices, parce que de ces trafics, en général, sont tirés des substances, des organes ou des substances hormonales, telles que l'adrénochrome, qui donc les amènent dans des états supérieurs, ou je dis supérieurs, des états de conscience modifiés, en tout cas, qui permettent à des entités de se régaler non seulement de la situation, mais aussi parfois de se servir du personnage qui a absorbé cette substance comme d'un avatar. Et donc, leur permet d'accéder à la 3D et d'avoir des actions sur notre réalité physique, politique, économique, hygiénique, que sais-je. Ce sont les mêmes entités, je pense, hein, qu'avait contacté Elizabeth John Dee, donc au XVe siècle, si je ne m'abuse, et qui avait finalement fondé les universités. Ah là là! Les centres de recherche, et servaient de gatekeeper, d'entonnoir, quant à ce qui allait être diffusé au public, comme information scientifique, c'est-à-dire en fait, ils gardent les bonnes informations pour eux et ils nous donnent une partie de ces informations tronquées, biaisées. Et ça devient des pontes qui font qu'après, des gens comme Jean-Pierre Petit, peut-être, par exemple, qui arrivent avec un autre modèle d'explication astrophysique, ou c'est juste un exemple, hein, dans un des domaines, vont se retrouver balayés sous des prétextes de plus en plus futiles et débiles, insultants même. Les autres vont continuer leurs fausses recherches, leurs fausses études, leurs fausses avancées, leurs fausses découvertes, vont continuer à amalgamer les prix d'honneur, les prix d'excellence, et vont continuer à former des groupes d'études, des nouveaux travaux, avec en état d'esprit la réfutation de tout changement, en fait. Si vous n'êtes pas du club, vos papiers ne sont pas étudiés,
Et si vous êtes du club, vos papiers restent dans le rang. Les papiers, donc les recherches. Voilà. Cette vidéo est un peu décousue, mais ce scandale américain ne concerne pas que l'Amérique, à mon avis, bien sûr. On l'a le même en France, hein, en Europe, peut-être même partout dans le monde. Et là, je vais vous lire la traduction d'un petit extrait du film qui s'appelle Above Top Secret, édité par Corey Good, Jordan Schaeffer, je crois qu'il s'appelle, David Wilcock, qui, malgré tout ce qu'on peut raconter sur eux, se servent quand même d'informations communes maintenant dans notre milieu. Et donc là, il dit, mais aussi des psychopathes qui ont amassé beaucoup d'argent, de technologie et d'informations au cours des siècles. Des siècles. De père en fille. Hein. Les hommes politiques les plus vieux, les présidents des conseils d'administration qui ont le pouvoir et donc qui ont été placés là par tout le système que je viens de vous décrire auparavant. Ce sont donc les 1% de la population mondiale, et encore, tous les présidents des conseils d'administration, ces gens-là, eux, dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas le visage. Donc ce sont des gens qui sont sortis du circuit assez rapidement, du circuit public, on va dire, et dont il s'avère qu'ils détiennent tous les pouvoirs, donc... Il s'avère aussi que plus donc on s'implique dans ces sociétés secrètes, on s'implique ou on est impliqué finalement. Le plus on les fréquente aussi, le plus on les compromis. On commence à apprendre des choses cachées qu'il est vraiment difficile d'apprendre. Ça peut prendre des années. Et petit à petit, on monte l'échelle. Et ces savoirs rares, où sont distribués petit à petit, et vous finissez par voir les choses autrement, évidemment. Vous avez une autre vision de la réalité ou des possibilités de réalité. Et au bout d'un moment, si vous continuez à participer à leurs activités, on finit par vous proposer des actes de pédophilie. Et là, je ne peux que vous suggérer de visionner la série de vidéos de Ronald Bernard, qui était un ex-banquier des 8000 plus grandes fortunes du monde. Un des ex-banquiers, qui avait commencé comme petit loubard et qui a fini par avoir du succès, à être remarqué, utilisé, jusqu'au jour où, effectivement, on lui a proposé un sacrifice d'enfant, ce qu'il a fait craquer, ce qu'il n'a pas pu faire, et ce qu'il a carrément balancé dans le côté adverse, c'est-à-dire du côté des victimes, et dénoncé ses pratiques. Ces pratiques qui existent au niveau de ces hautes banques et ces hautes finances, c'est des finances comme les finances du Vatican, hein, ou les finances d'un pays qu'ils arrivaient à gérer. Et donc, pour faire ça de manière intelligente et positive, enfin bénéfique pour eux, il faut être au courant de tout. Et donc, Ronald Bernard nous dit que ces gens-là vivent au-dessus de nos lois. Ils ont leur propre armée, leur propre police, leur propre service de renseignement. Et a priori, je dirais, moi, des moyens technologiques qui dépassent l'entendement, puisqu'ils ont le résultat de ce que les skunk works, c'est-à-dire les ateliers secrets, les groupes de recherche secrets des industries de pointe, Lockheed Martin, Thomson chez nous, ou, vous voyez, ceux qui, à mon avis, maîtrisent l'antigravité depuis les années 1955, je crois. Ceux pour qui Ben Rich travaillait, Ben Rich qui a dit « Nous avons les moyens de ramener E.T. à la maison, tout ce que vous pourriez imaginer, nous l'avons déjà, et même plus. » Il a dit ça entre 1995 et 1998, si je ne m'abuse. S'il l'a dit, c'est qu'il l'avait depuis avant. Il l'a dit juste avant son départ à la retraite. C'est là que, quelque part, ça confirme un petit peu les dires de William Tompkins, qui disait oui, effectivement aussi que tout ce qu'on a appris
est fou. Vous savez, vous pouvez construire une maison avec une équerre qui fait 91 degrés et un compas qui fait des ovales, enfin, presque ronds. Bien sûr, ça va être moins haut et moins efficace que si c'était parfait, mais on va y arriver plus ou moins, mais on va être bloqué. Tandis qu'avec la bonne formule ou le bon instrument, on ne va pas être bloqué. Votre maison, elle va faire plus que 5 étages avant d'être dangereusement penchée. C'est une image, hein. Ces deux instruments-là, c'est quasiment une image innocente d'outil de constructeur. Donc, on va vous proposer des actes de pédophilie ou de sacrifice humain. Et si vous refusez de le faire, alors qu'une telle offre ne se refuse pas, ils sont capables de vous tuer. Et n'allez pas croire qu'en fait, ils vont commencer par vous tuer, vous. Hein. Je pense qu'ils vont commencer par flinguer toute votre famille, tous les êtres chers. Raison pour laquelle, en général, les whistleblowers sont les derniers de leur famille, sont à 3 mois de leur mort et ont des confessions sur leur lit de mort, on va dire. Confessions sur leur lit de mort auxquelles... pendant lesquels on apprend, par exemple, qu'il y a des contacts avec les extraterrestres. On apprend plein de choses très intéressantes, en fait. Et ça explique aussi que beaucoup de whistleblowers, ainsi que les journalistes qui s'intéressent à ça, donc qui vont interviewer les lanceurs d'alerte, meurent aussi facilement ou disparaissent. Et donc, une fois que vous avez participé à ces activités, que vous le vouliez ou pas, ils ont encore plus de preuves contre vous, et donc vous tiennent encore plus, et donc peuvent vous amener encore plus loin. Et si jamais vous les dénonciez, ils ont tout le matériel pour vous faire chanter et vous décrédibiliser. Oui, car bizarrement, quelqu'un qu'on va accuser avec des preuves d'actes illégaux va perdre sa crédibilité. Oui, c'est une drôle de réaction du public. Si vous êtes un escroc, vous ne pouvez plus dire la vérité. C'est un raisonnement binaire, hein, comme d'habitude. On n'imagine pas que quelqu'un puisse mentir quand il veut et ne pas mentir quand il le faut aussi. Et donc, ils ont tout le matériel pour ruiner votre vie. Et donc là, justement, voilà, il y a une inclusion du reportage de Ronald Bernard, le banquier des 8000 fortunes, qui disait que les gens avec lesquels il traitait étaient pour la plupart des adeptes du luciférisme, enfin de Lucifer, quoi. Il dit que on peut prétendre que tout ça n'existe pas, que Dieu n'existe pas, que tout ça n'est pas vrai. Mais pour ces gens-là, c'est bien la réalité. Ils ont servi et ils servent un maître immatériel qu'ils appellent Lucifer. Il a été en contact avec ces milieux. Leurs activités le faisaient rire. Pour eux, c'était des clients. Donc, il les laissait faire, il n'avait rien à dire et il les respectait quelque part. Il a été dans des endroits qu'on appelle les églises de Satan. Donc, l'intervieweur lui demande, on parle de satanisme maintenant, puisqu'il y a une légère différence entre Lucifer et Satan. Pour le mieux, je dirais que les gens qui sont en général adeptes du luciférianisme n'imaginent pas que ça va aller jusqu'au satanisme, mais trouvent dans ce luciférianisme, luciférisme, je ne sais pas comment on dit, puis alors, je m'en fous. Enfin non, je ne m'en fous pas, mais bon, ce n'est pas l'intérêt. Et je ne tiens pas à avoir du respect pour ce genre de choses. Ils trouvent donc ces renseignements, ces savoirs rares et précieux parce que potentiellement puissants. Donc, il est allé dans ces églises en tant que visiteur, invité à la soirée, quoi, où il était célébré des messes noires, il y avait des femmes nues, de l'alcool, de la drogue. Et lui, il trouvait ça marrant, enfin amusant, divertissant. Et là, je vais vous laisser passer... un petit passage, presque en direct, où il était persuadé donc que rien de tout ça n'existait. Hein, il prenait ça comme un spectacle un peu osé et original, mais bon, il ne s'y impliquait pas. Et il pensait que si ces gens se comportaient de cette manière, c'est parce qu'ils étaient en eux-mêmes mauvais. Ils n'établissaient pas encore de lien. Donc, c'était la belle vie.
En fait, c'est un petit peu ce qui est décrit dans les cérémonies de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, avec ses orgies. Enfin, c'est encore soft, Eyes Wide Shut de Kubrick. Et puis un jour, puisque son travail continuait à les satisfaire, on l'a invité à participer à des sacrifices. Et c'est là que je vais vous laisser le direct. Il se rappelle. Ah, c'était à l'étranger. Regardez sa tête. Et ça a été son point de rupture. Des enfants. On vous a demandé d'y assister, lui demande-t-on. Oui, répond-il, et il n'a pas pu. J'ai l'impression qu'il va pleurer. Bon, je dois vous dire que si on est un bon acteur, peut-être qu'on pourrait mimer la personne qui est traumatisée. Mais je vois la petite larme là. Je vois son désarroi. Ça continue. Les membres de ces sociétés occultes. Sacrifient des enfants et en font le trafic. Et puis le trafic de tout. Donc des organes, des substances hormonales et de leur présence, hein, de leur corps. Alors pour quelle raison, me direz-vous? Bien parce qu'il y a une raison essentielle qui est qu'ils veulent l'énergie que cela leur rapporte. Et ce qui nous ramène donc au culte de Baal ou de Moloch. Faut savoir que ce personnage-là est une statue creuse, à l'intérieur duquel on faisait brûler un feu, ce qui fait qu'évidemment le métal dont elle était fabriquée était donc à rouge, si on peut dire. Et il déposait des enfants sur le métal à rouge, ce qui nous ramène à l'idée de l'Holocauste, qui est donc le fait de brûler des chairs. Et ça nous rappelle pas quelque chose qui est écrit dans l'Ancien Testament, me semble-t-il, ou enfin un des livres sacrés là, avec Yahvé qui demande à ce qu'on fasse griller les chairs des sacrifices, mais normalement on pensait les animaux, jusqu'à faire brûler la graisse aussi, car il aimait bien l'odeur. Et donc il faut savoir que quand un humain est dans un état de choc et de peur, de frayeur, il dégage une énergie. Hein, il n'y a pas que l'odeur. Et donc, ces entités, les extraterrestres, faut le dire, néfastes, nocifs, peuvent se nourrir de cette énergie dégagée par la victime. Ils se nourrissent de l'énergie que dégage la peur. Si ces sociétés occultes utilisent les enfants, c'est parce qu'un enfant n'est pas encore programmé mentalement. De plus, contrairement à un adulte, il est innocent. Il est davantage relié à son moi supérieur. Le dit moi supérieur est fort proche du divin. Et donc, il semblerait que l'adrénaline qu'il dégage est beaucoup plus forte que chez un adulte. Un des composés que dégage le corps de l'enfant est donc l'adrénaline, qui va s'oxyder et se transformer en adrénochrome. Le dit adrénochrome est un jour mentionné dans Las Vegas Parano, ce film avec je ne sais plus qui, Benicio del Toro peut-être, entre autres, et puis un autre acteur assez connu. Et ben dans leur délire de dopé, à un moment donné, il lui montre un petit flacon en disant « pur, c'est de la pure ». Et donc cet adrénochrome est une drogue. Ces sociétés secrètes, composées d'éminences grises, si on peut dire, ne sont pas nouvelles. Cela remonte à des milliers d'années et elles ont toujours gardé ces informations secrètes. Il faut bien comprendre que le mot occulte signifie caché. Ça ne veut pas forcément dire bon ou mauvais, ça veut dire caché. Donc ces informations ont été gardées secrètes au sein des sociétés secrètes et pas dès les premiers niveaux. C'est le genre d'information auquel vous accédez après le
autour du 30e, 33e degré de franc-maçonnerie, par exemple, qui n'est qu'un début, a priori. Quand vous y êtes, là, ça peut monter beaucoup plus loin après. Mais pour un club encore plus sélectif de francs-maçons du 30e degré. Les sociétés secrètes sont davantage une organisation de façade qui recrute des gens et qui vous étudie pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la cruauté, ce qui est proche de l'expérience de Milgram, là. L'expérience de Milgram, c'est une expérience où on prend des gens et on leur dit « vous voulez participer à une expérience psychologique ». Vous allez poser des questions à quelqu'un qui, quand il va mal répondre, va être soumis à un courant électrique et de très basse intensité, ne vous en faites pas. Mais au fur et à mesure que les questions fausses, les fausses réponses plutôt, s'accumulent, on lui envoie de plus en plus de courant. Et la personne dit « il va ». Et jusqu'à un moment donné où la victime commence à hurler en disant « mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas possible, là !» Et la personne qui est censée balancer le courant, donc c'est innocent, donc qu'on a pris au hasard dans la rue, plus ou moins, se tourne vers la personne qui est venue le chercher pour lui faire participer à l'expérience et lui dit « mais il faut continuer ». L'autre lui dit « oui, vas-y ». Et y a pas mal de gens continuent. Alors, y a un truc à remarquer, c'est déjà… la chose était mise en scène, c'était un acteur qui répondait et il mimait la souffrance. Mais toujours est-il que dans cette configuration, vu que cette expérience a été proposée par quelqu'un en blouse blanche, avec une cravate très propre sur lui, tout ça, la personne lui accorde une confiance. Et dès le début, vous imaginez, vous ne répondez pas, on vous met un courant électrique. Même un demi-volt. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Donc, les gens finissent par réagir au bout d'un moment, hein, quand ils envoient 200 volts, 300 volts ou plus. Mais en fait, ils auraient pu réagir depuis le début et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont pris dans un schéma d'obéissance à une autorité. Ce que j'appelle en général la blouse blanche, la blouse grise, la blouse bleue, la blouse noire, vous savez, la médecine, la science, la politique… la religion, et on obéit. D'où l'intérêt d'étudier un petit peu la base de la religion, de la science, puisqu'elles sont fausses en plus. La vérité est gardée pour un petit club, une sélection, un écrémage, vous voyez. Donc, on reprend l'interview à propos des sociétés secrètes et des horreurs qu'ils vous proposent. Et donc, une fois que vous êtes allé trop loin, une fois que vous êtes vraiment dans le bain de cette société secrète, vous êtes donc impliqué et coincé. C'est alors qu'ils vous font vraiment mal. À l'écran, là, c'est une photo d'une des… comment on appelle ça ? La promotion… Skull and Bones, de Yale donc, cette école là dont on apprend aujourd'hui qu'une cinquantaine de célébrités ou de fortune et de puissants ont fait rentrer leurs enfants en trichant complètement tous les examens d'entrée et en achetant les examinateurs et en fournissant des millions de dollars au total à l'école. À l'université. Tant que notre société refusera d'admettre que cela existe, admettre qu'il y a un groupe de personnes qui contrôle et qui est responsable de tout ça, nous serons condamnés à subir la mainmise de ces gens. Si nous n'apprenons pas à nous respecter les uns les autres, on ne parviendra jamais à progresser. Il faut tirer des leçons du mouvement « Balance ton port ». Il existe une corruption. Il y a de la corruption en haut niveau. Le viol, la pédophilie, le trafic d'enfants. Alors qu'on attend toujours les résultats des enquêtes sur les affaires d'Hillary Clinton, de son mari et de toute l'équipe, ainsi que la centaine de morts parmi ceux qui ont enquêté ou les journalistes qui se sont intéressés aux affaires criminelles autour des Clinton,
entre autres. Et ainsi même jusqu'à des procureurs de la République, enfin les procureurs généraux, ben, ils ont shooté des présidents, vous imaginez que bon. Vous imaginez aussi que ces gens-là, donc, on parle là d'Harvey Weinstein qui était à Hollywood. Hollywood balance des films, les films sont diffusés et rediffusés. Ils ont un impact psychologique certain, une sorte d'éducation à la société. Avant, on regardait énormément de gens qui n'ont pas vraiment été bien éduqués ou qui copient, se réfèrent aux attitudes, aux faits, aux gestes, aux modes issus de ces stars ou de ce qui est raconté dans les films pour en faire autant. Au début, pensant que c'était le moyen de bien vivre. Donc là, je vous traduis, ce monsieur qui a été accusé de pédocriminalité dit « j'ai une maladie, mais pas d'excuses ». Il a été condamné à 21 mois de prison fédérale pour des attaques sexuelles sur une fille de 15 ans dans le scandale qui entourait la perte de l'élection présidentielle par Hillary Clinton. Quelle chance! Enfin bon, c'était une fois de plus quasiment entre la peste et le choléra, le choix qu'ils avaient. Mais enfin bon, Trump au moins, a priori, est en train de nettoyer ces problèmes criminels qui existaient notamment chez les démocrates. Et personnellement, je me demande à quel point les républicains, évidemment, ne sont pas aussi mêlés. Donc, on ne va pas vraiment avoir tous les résultats des enquêtes, à mon avis. De temps en temps, on entend parler, donc là, à propos du trafic humain, 150 enfants esclaves ont été identifiés comme victimes. Ici, un autre article qui raconte qu'un des gangs les plus effrayants d'Amérique avait sacrifié des jeunes filles prépubères, des adolescentes, ils les avaient sacrifiées à Satan. Ici, un autre article sur une arrestation de 5 personnes inculpées pour cannibalisme, mangeant de la chair humaine, donc. Tout ça se produit parce qu'une élite clandestine utilise ces comportements pour servir leurs rites religieux qui permettent donc la nourriture, une source d'énergie, de pouvoir pour ces entités qui les maîtrisent finalement. C'est pour ça que parfois je dis, sont-ils encore humains ? Pour certains d'entre eux, ils ne le sont plus. Parce qu'en fait, effectivement, lorsque ça se passe, là, ils ne sont plus aux commandes, eux. Et de toute façon, leur humanité n'existait pas vraiment, puisque on n'est plus à l'époque où, s'ils n'avaient pas pratiqué ça, ils allaient mourir de faim. On n'est plus à l'époque où la survie était aux dépens de son voisin. Maintenant, on est à une époque où, normalement, l'évolution est liée au bien-être de tous. Nous avons là une photo d'une cérémonie qui se déroule au Bohemian Club. Le Bohemian Club, c'est un club qui se réunit en été en Californie, dans ces forêts de séquoias magnifiques anciennement. Elles n'ont pas toutes cramé. Ben, là-bas, elles n'ont pas dû cramer. Et où, en fait, il n'y a pas tellement de femmes qui sont admises, à part pour des pratiques, on va dire. Mais tous les membres sont des hommes. Et avec des tendances de pratique assez critiquables. Que vous croyez que ces gens existent, que ces pratiques existent ou pas, n'a aucune importance. Ils nous le signalent sans cesse, à notre attention, par des allusions. Il suffit que l'explication qu'on en donne soit biaisée pour que les gens n'y prêtent pas plus attention que ça. Il existe dans les films toute une série de symboles. Ici, un arrêt sur image sur justement Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. L'intérêt de ce film, ce n'est pas uniquement de nous montrer ce début d'orgie, c'est aussi de nous montrer que les personnages qui sont tous masqués là ont les postes de pouvoir de la ville en question. Ils y font ce qu'ils veulent, ils sont tous liés. Il y a de tous les corps de métier. Il y a de la police, il y a des médecins,
Il y a des juges, des avocats, des procureurs, il y a des hommes à tout faire, il y a des journalistes. Donc, quand un mot d'ordre est donné à une de ces soirées, soyez sûr que tous vont s'entraider et se soutenir et faire en sorte de sortir de l'affaire du scandale public. Une des premières choses qu'on demande aux francs-maçons, me semble-t-il, c'est de jurer le silence sur ce qui se passe dans les séances et de faire acte de fraternité jusqu'à risquer sa vie pour sauver un de leurs frères s'il était dans le besoin d'être aidé. Donc, si vous avez un bandit et un juge qui font partie d'un même club et qui se retrouvent l'un de chaque côté de la barrière avec du public, soyez sûr que le juge va trouver des vices de procédure de façon à innocenter l'accusé, quoi qu'il ait fait, mais juste parce qu'en fait, il est frère de loge et qu'il chacun a juré fidélité et fraternité, si on peut dire, et silence. Donc, parmi la franc-maçonnerie, on va trouver des gens qui ont déjà un terreau mental idéal pour toutes ces sociétés secrètes, pour garder le secret et avoir une certaine sécurité intérieure. Où est-ce qu'ils nous montrent leur influence aussi? Ils nous les montrent dans les jeux vidéo, dans les émissions de télé, dans les films, dans les décors, dans les textes, dans les allusions verbales, dans les pratiques. Donc là, quelques prises d'écran où on voit, là c'est dans Picsou, hein, donc Mickey, je suppose, ce panneau qui existe chez les Toubibs qui sert à vérifier la vue, avec des lettres écrites de plus en plus petites, vous savez. Mais quand on lit ça en anglais, c'est ask, A-S-K, ask, demander, about, à propos, des Illuminati. Ils vous demandent même de faire attention à ça, quelque part. Ils auront comme excuse de dire, vous pouvez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Partout, il y en a des indices et des aveux. Mais c'est aussi une certaine programmation en même temps. Donc, dans les clips vidéo, lors des cérémonies, des Oscars ou des grands matchs de foot, aux États-Unis, il y a souvent des spectacles en même temps. Et chez nous, qu'est-ce qu'on avait? On avait la troupe du Splendid dernièrement, qui a un spectacle dans un décor complètement sataniste. Et donc, ça vous est toujours proposé, on vous le jette toujours à la face. Il ne s'en cache quasiment pas, ou plus en tout cas. Il est donc temps de sortir la tête du sable, nous les autruches prudes, et de comprendre que même si tout ça nous paraît incroyable, ces gens s'adonnent à ces pratiques. Les preuves sont nombreuses, et il est clair que les gens refusent de regarder la vérité en face. Vous leur dites ça, vous passez pour conspi. Avec le côté péjoratif qu'ils ont attribué au mot conspirationniste. Les conspirationnistes ne sont pas les comploteurs. Les conspirationnistes, ce sont ceux qui dénoncent la conspiration. Les complotistes, c'est ceux qui dénoncent le complot. Les comploteurs sont ceux qui pratiquent le complot. Mais lier ces deux mots est plus théorie de décrédibilise notre travail à nous, là, les désespérés d'une évolution meilleure équilibrée et saine, en bonne santé. De la même manière, on va dénoncer le protocole des sages de Sion, qui, soi-disant, est un fake, soi-disant, a été écrit à des fins politiques. Or, quand vous le lisez ou vous l'écoutez, vous remarquez que tout est vrai dedans. Et donc, en deux mots, ils nous empoisonnent, et quand on viendra se faire soigner, ils nous empoisonneront encore plus. Ils nous empoisonnent à tous les niveaux. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on porte comme habit, ce qu'on pense, les idées sont malsaines, sont mal tournées.
ils nous vaccinent, ils nous font respirer de l'air bourré de chemtrails, de particules ultra fines qu'ils savaient sortir des diesels. Ils ont triché au haut niveau d'une grosse boîte qui est bourrée de thunes, qui n'a pas besoin vraiment, qui peut se permettre de louper une sortie de voiture ou de ramener, mais en tout cas, depuis les années 1955, ils ont l'antigravité. Il y a plus de 5000 brevets d'énergie libre et écologique de moteurs surnuméraires. Vous lui mettez un watt dedans et il vous donne plus qu'un watt en sortie. Donc, vous avez inventé de l'énergie quelque part. Vous l'avez créé grâce à ces moteurs. Oui, je sais, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, oui. C'est-à-dire que ça, c'est une phrase qui est issue des notions de physique qu'on a, nous, là, les clampins, les civils, les victimes. Mais quand on connaît un petit peu plus sur la création de l'univers, sa formation, sa composition, et qu'on imagine qu'il y a des dimensions énergétiques plus subtiles, on peut imaginer que l'énergie vient de là. Mais pour les autres, on ne peut pas imaginer ça. Parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce que ce n'est pas passé à la télé. Ils n'y croient pas parce que la personne qui avait inventé ça a été décrédibilisée. Ils n'y croient pas parce que personne ne s'en sert. Le moteur à eau a été inventé plusieurs fois au Québec, au Canada, en France, ailleurs encore. Où sont ces voitures avec un moteur à eau qui, comme pollution, balance de l'eau pure. Il y a un Japonais dernièrement qui a inventé un moteur. Vous mettez du thé, vous mettez du café, vous mettez un liquide, plus ou moins aqueux tout de même. Il est filtré et ce qui est expulsé, c'est de l'eau pure. De l'eau pure, on va dire. Donc, en fait, les gens n'y croient pas parce que cette vérité est très dérangeante. Et puis, ça déstabilise profondément des gens, surtout assez âgés, qui ont dévoué toute leur vie à des croyances, à des respects, à des règles, à des pratiques qu'ils pensaient être normales, saines, acceptables et allant dans le sens de l'évolution. Il n'y a qu'à voir comment on évolue. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. On travaille plus qu'il y a 100 ans et on en a moins de résultats. C'est ça une civilisation qui évolue. Ah bon. Une petite retranscription, je crois que c'est un discours de Bush, du père Bush, qui disait « Nous sommes obsédés par les antagonismes de notre époque ». Et bon, mon extrait s'arrête là. Je pense que c'est le discours où il dit « Mais ne nous unirions-nous pas tous sur Terre si nous étions confrontés à une attaque venant d'extraterrestres, provenant d'ailleurs de l'univers ?» Dans les dossiers que Q nous a fournis, il y a cet organigramme que j'avais un petit peu abordé il y a quelques mois, où sont reliés tous les tenants et les aboutissants de notre monde politico-économique, historique, ésotérique, occulte, avec des relations entre tout et tout. Il y a quelqu'un qui a fait ce tableau-là, et d'autres, qui s'appelle Dylan Louis Monroe. Donc voici l'adresse net https://www.dylanlouismonroe.com/q-web.html, le tout en minuscule. Et sur lequel il détaille. Mais ce tableau est incroyablement complet. Je veux dire, ça touche à tout. Tout est lié.
depuis l'AI, l'intelligence artificielle, les massacres, les false flags, Trump, le mouvement Antifa, le 11 septembre, les dracos reptiliens, les Anunnaki, les anciens aliens, la galactique fédération de lumière, les Pléiadiens, Ashtar aussi, jusqu'à la princesse Diana, Lockheed Martin, la fédération russe, les camps FEMA, la surveillance de masse, Snowden, le trafic de drogue, d'héroïne, de cocaïne, Mohamed Ben Salman, ISIS. J'ai déjà dit Lockheed Martin, ouais. La récolte du louche, c'est donc cette énergie issue de la peur, mais aussi de la colère. C'est en fait issue de toutes les émotions non contrôlées. Je vois aussi marqué là le vaccin contre l'hépatite B. Le programme spécial des virus qui filent le cancer. La NASA, oh la NASA. Bon, évidemment, la CIA, Israël, le Pentagone. Vous savez que donc, grâce au projet Paperclip, la CIA a été formée à base de pointures nazies. Aleister Crowley, tout l'occulte. Aleister Crowley est un pont pour eux entre justement maintenant les résultats qu'il a obtenus, les portails qu'il a ouverts avec ses dimensions adverses. Où habitent des entités mal intentionnées qui vous attribuent quelques pouvoirs, si on peut dire, ou quelques résultats, mais vous affilient et de toute façon finissent. Il n'y a que qui gagne. On parle aussi de Vlad Lampaler, le comte Dracula. Qui fait partie de l'arbre généalogique d'énormément de monde, notamment par exemple la maison Windsor, mais aussi quasiment tous les présidents des États-Unis ou je ne sais plus. Enfin, génétiquement parlant, ils sont tous cousins. Cointrelpot. Qui est un système de surveillance incroyable du style échelon. L'opération High Jump, le New Schwabeland, donc la base nazie au pôle sud. Évidemment, l'OTAN. Tiens, un projet de dépopulation. Big Pharma, Monsanto, l'agenda 21. Le soi-disant changement climatique, la taxe carbone. On nous met David Icke ici. Après, je pense qu'il a en tout cas dénoncé tout ça. Il n'est pas vraiment relié par une flèche à autre chose. Je ne pense pas que ça l'incrimine. De toute façon, chaque fois qu'il s'attaque aux sionistes, il lui arrive de gros problèmes. Donc, je lui ferai plutôt confiance. Surtout grâce à tout ce qui nous a amené comme information, notamment sur les reptiliens. Alors, les gens s'attendent à voir des reptiliens en chair et en os. Quand ils sont en chair et en os, c'est dans le corps de quelqu'un d'autre, a priori, ou ils peuvent l'être en eux-mêmes, mais de manière momentanée. Il faut savoir qu'ils sont forts comme 12 hommes, ils savent ce que vous allez faire avant même que ça vous vienne à l'idée. Je vois marquer le transhumanisme, je vois marquer les nanotechnologies, je vois parler de PayPal, d'Elon Musk, de SpaceX, de Tesla, mais ça s'accompagne d'Elon Musk, hein. C'est pas Nikola Tesla. Par contre, ils vont se servir de la technologie de Nikola Tesla. Les mutilations de bétail et humaines, les abductions, le TR-3B, tiens. L'X-37B, c'est une navette spatiale autonome. Un drone. Bizarrement, ils nous parlent de l'éclipse solaire du 21 août 2017.
The Storm, c'est le plan que Q est en train de pratiquer avec Trump. Les chapeaux blancs, les chevaliers blancs, c'est-à-dire les gens qui sont des insiders, qui appartiennent au système et qui nous donnent des informations. California Inferno, je pense que ce sont les feux qui sont déclenchés par des dieux. Des armes à énergie dirigée, laser, maser et autres. Le bain de sang du Bataclan, du vendredi 13 novembre 2015, est relié à, oh tiens, au 11 septembre. Obama, son faux certificat de naissance, la mode transgenre, qui est très liée au transhumanisme. Je ne veux pas accabler les gens, mais John Rappaport est un journaliste enquêteur sérieux qui dénonce, parmi tout ce qu'il dénonce, il y avait un plan de la CIA, les 17 moyens chimiques de transformer de faire de l'ingénierie sociale. Donc, il faut savoir que si on vous balance certaines hormones à un certain âge, vous changez d'identité sexuelle. On peut même vous faire changer de religion. On peut vous rendre fanatique, on peut vous défanatiser. Il y a donc aussi des liens là entre le Pizzagate, qui a été dénoncé par Wikileaks, Julian Assange, les emails de Podesta, le spirit cooking qui est pratiqué par cette dame qu'on voyait tenir une tête sanguinolente de bouc qui s'appelle Marina Abramovic. Les armes illégales. La raison pour laquelle ils ont envahi l'Irak pour aller voir les ziggourats, parce que ce sont des endroits où il y a des Stargates. Dans les crop circles, il y en a. Un crop circle, c'est comme un sigil. C'est-à-dire qu'il y a des ondes de forme qui continuent à être émises par les formes géométriques et qui sont des messages informatifs à des niveaux subtils, plus ou moins, et qui influencent la région, la Terre, les gens. Et ça dépend de vous, il y a certains crops qu'il ne faut pas fréquenter, si vous n'avez pas le niveau, ça va vous faire mal au crâne. Bien, le Black Knight satellite, c'est ce satellite avec lequel peut-être Nikola Tesla avait communiqué, qu'on dit peut venir de Boots Eridanis, je crois. Enfin, toujours est-il que c'est un espion de ce qui se passe sur Terre. Pas pour nous. Mais évidemment, la commission trilatérale. Pindar, c'est le chef draco reptilien. Il est plus ou moins incarné à l'occasion par un des membres de la couronne d'Angleterre, me semble-t-il. C'est plus ou moins lui, le père du prince Lady Di, Diana, avait eu à deux enfants, en tout cas un des deux. Son père, c'est Pindar, paraît-il. Il est noté le jeu de cartes des Illuminati, sur lequel peut-être je vais faire une vidéo, mais je crois qu'il y en a déjà de fait. Il y a tellement de cartes. Il y a 400 ou 500 cartes qui dénoncent, qui a été. Il y a une date, la 1982, en tout cas 1992, je crois, il a été édité pour le public. Et dessus, il y a des cartes où on voit déjà le 11 septembre. Et ainsi que énormément d'autres éléments de notre vie politico-historique actuelle. On suit vraiment un gros plan.
évidemment, le complexe militaro-industriel, l'opération Gladio, l'opération Mockingbird de désinformation. Les Américains ont été décidés à enlever tout le vrai savoir qui existait encore, toute la vraie qualité de vie, toute la vraie beauté artistique, toute la finesse, en infiltrant les médias, les arts, la culture, la littérature. Le trafic de drogue de la CIA, les importations de cocaïne. Ah oui, CIA, c'est Cocaine Import Agency. La relation avec Pablo Escobar, le coup d'État du Chili, Mobutu, ils placent leur pion. Et aussi au niveau contrôle mental, le projet Monarque, les MK. Suite à des abus rituels, la création d'alter ego, c'est-à-dire une autre personnalité qui est cachée en vous et qu'on peut déclencher avec un mot de passe, un mot code, un mot clé, un mot gâchette, prononcé par votre contrôleur, celui qui vous tient en main. Pour vous renseigner sur quoi, il vous faudrait lire le livre « Transformation of America » de Cathy O'Brien, qui existe en français. Je l'ai là. C'est un gros pavé, mais vraiment, ça vaut la peine. Les super soldats. Les super soldats. Alors, qu'est-ce qu'un super soldat? Ben, c'est quelqu'un, justement, qui a été soumis à ces abus rituels et dont un des alters a été programmé et formé et entraîné à une activité espion, tueur, Manchurian candidat de Manchurie. Il a noté l'expérience de Philadelphie aussi, là, qui est cette expérience à laquelle avait participé Tesla, avant de saboter l'expérience, parce qu'il s'était rendu compte que ça tournait très mal, que ça n'allait être utilisé qu'à l'encontre de l'humanité. C'était une expérience pour créer l'invisibilité d'un vaisseau, d'un navire, de façon à ce qu'à la base, il échappe aux torpilles des sous-marins allemands, nazis, pendant la guerre. Donc, c'est une expérience qui était, je crois, en 1942 ou 1943. Voilà. Et qui s'avère avoir été au-delà de leurs espérances. Non seulement il est devenu invisible, mais il était devenu invisible parce qu'il était parti. On l'avait retrouvé, ce bateau, 800 miles plus bas, où il est resté 20 minutes et puis il est remonté à l'endroit où on l'avait fait disparaître. Il y a un film ou deux qui sont sortis là-dessus, plus ou moins romancés, mais enfin, l'idée tient. La notion qu'on a du temps est fausse. La loge P2, Propaganda Due, donc une loge franc-maçonne italienne. Donc là-dessus, si vous voulez des renseignements, il vous faut consulter les conférences de Léo Zagami, qui a fait partie, en est sorti, s'est fait réprimander, mais finalement... Il faut savoir qu'il y a des luttes internes, donc a priori, pour l'instant, il est protégé, mais il sert d'insider, donc il raconte ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Donc, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Cyber Satan au Vatican » ou « Homo… » Oui, enfin bon, une de mes dernières vidéos, « Cyber Satan ». Le Hellfire Club, c'est un club encore plus secret que bien d'autres, où les fondateurs des États-Unis, dont les fondateurs des États-Unis, les pères fondateurs, faisaient en partie partie. La Révolution française, avec les Jacobins. Évidemment, la maison des Windsor, la cité de Londres, qui est, administrativement parlant, une cité comme le Vatican. Et aussi comme Washington, me semble-t-il, mais Washington dans le district de Columbia.
Ce sont trois entités indépendantes du pays. Et l'une tient la finance, l'autre tient les armées, la troisième tient la spiritualité. Évidemment, les chevaliers de Malte, les templiers, le Catholic Military Order, je ne sais pas si c'est l'Opus Dei ou simplement les jésuites. Ah ben voilà, les jésuites. La mafia khazare. On remonte même jusqu'à la crucifixion de Jésus. Bien, je ne vais pas aller plus loin. Oui, je l'ai un peu parcouru dans tous les sens. Il y a dans les dossiers de Q, pas forcément édité par Louis Monroe, énormément de schémas dans ce genre-là, qui trace les relations entre des personnes, des fondations et des activités. Donc, le Forum économique mondial qui est lié… En fait, en fonction des traits, ce sont des relations particulières. Avec les Nations Unies, les réfugiés internationaux, le Fonds de développement des Nations Unies, les Clinton, la Fondation Clinton, les Open Society Foundation, Soros, donc, les Nations Unies. Le livre économique édité pour les puissants The Economist, dont on jase beaucoup sur les couvertures, qui décrivent plus ou moins ce qui se passe. Il faut les décoder. Il a aussi détaillé les trafics. Donc là, on voit le détail du trafic d'enfants. Et avec tout, la base, la source, les moyens, les organisations, le financement. La finalité, la prostitution, l'esclavage sexuel, la pornographie, l'occulte, les rituels, les sacrifices, les snuff movies, enfin, la totale. Donc c'est en anglais, mais je suppose que si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez copier-coller les paragraphes et puis les traduire avec un traducteur automatique. Encore un organigramme avec que des noms qu'on ne connaît pas vraiment, nous, ici, parce que ça concerne les États-Unis. Mais ça ne concerne pas que les États-Unis. Nous avons évidemment la même chose au niveau mondial, au niveau européen, au niveau mondial. Un petit organigramme ici avec plus ou moins les finances. On parle de la Wells Fargo, de la Banque d'América, du Citigroup, de la chaîne de magasins Walmart, de l'Institut américain du pétrole, Amazon, du Big Pharma évidemment. Du groupe Podesta, encore un autre avec des relations. Et là, je vois que Georges Papadopoulos était quand même le conseiller pour la politique étrangère de Trump. Il a travaillé avec Cameron. Je ne sais pas si c'est le Cameron anglais ou pas. La CIA, ABC Network, je ne sais pas si ABC, c'est la chaîne de télévision. Donc, c'est Ian Cameron, oui, donc c'est pas l'anglais.
Susan Rice, qui travaillait pour, comme secrétaire à la sécurité pour Obama. Donc, qui était mariée avec Ian Cameron et qui travaillait pour... et tout ça est tenu par la CIA, quelque part. Une autre étude des filières de l'entreprise Clinton, la fondation Clinton. Horreur. Et c'est une horreur qui, internationalement parlant, recevait des fonds de la part d'États pour se voir accorder des faveurs, soit des contrats, soit des accès, si on peut dire. On voit là Al Gore, tiens, notre chantre du réchauffisme. Un chantre ou un chancre ? Un autre tableau qui lit Rupert Murdoch, Clinton, les amis des forces de défense israéliennes. Un autre avec plein de têtes qui aujourd'hui, je pense, ont disparu, ou puisque là, il y a McCain, donc il est mort ou il a été simplifié. Bah, comme d'habitude, les Clinton, les Obama, énormément d'autres gens. C'est pas John Brennan qui est aujourd'hui envoyé ici en Europe pour des activités politiques bizarres. Ça, c'est un beau tableau, me semble-t-il, sur justement toutes les victimes du clan Clinton. Alors, il y a eu 16 accidents d'avion pour supprimer des témoins gênants ou des accusateurs. Il y a eu 20 suicides. Il y a eu 22 gardes du corps. Il y a eu 56 victimes parmi les militaires et les forces de la loi. Il y a eu 8 journalistes d'investigation. Il y a eu 7 femmes en tant qu'assistantes, secrétaires. Il y a eu 5 donateurs de fonds, il y a eu 13 membres de la loi, 23 témoins au moins, 5 toubibs, 11 membres de la police, il y en a sûrement beaucoup plus, hein, vous savez. Mais là, ça doit être des pointures. Donc, il est bien ce site, parce que vous voyez qu'en agrandissant, on arrive à tout lire, hein. Donc, il y a des renseignements à l'appel. Un tableau avec Trump. Il y a donc dû nettoyer le marais. Et trouver dans chacune des institutions la partie la moins corrompue et la plus fiable pour changer le paysage politique sans créer de remous dans la population. Un tableau très intéressant qui doit être connu par cœur par la personne qui a écrit ses livres sur les Bilderberg, Georges Estulin, je ne sais plus, Monsieur Estulin. Entre le comité des 300, l'Institut royal des affaires internationales, l'Institut Tavistock des relations humaines, le Club de Rome. Il y a d'autres que le Tavistock, hein. Il y a la Fabian Society, enfin il y a beaucoup de sociétés secrètes, de think tanks, de clubs de pensée, qui sont tous liés les uns aux autres. Parfois en lutte légère, mais enfin toujours est-il, c'est toujours sur notre dos. La Trilatérale, les Bilderberg, le CFR. Les compagnies pétrolières, bancaires, de mines, d'assurance, de commerce et d'industrie, les organisations religieuses, l'Église du gouvernement mondial unique, les rois d'Arabie saoudite, du Koweït, les Émirats arabes unis, de Dubaï, les Nations unies, les membres des Nations unies, les nations des membres,
Ben voilà, le sionisme, le communisme, le fabianisme, le libéralisme, le socialisme, les partis de l'aile droite, le terrorisme, la franc-maçonnerie, les inconnus, les tables rondes, le groupe de Rhodes, enfin, Rhodes Milner Group. Des institutions telles que le Stanton Research Institute, qui est un institut qui fait des recherches sur les capacités mentales, le voyage astral, la théorie de tout. Le MIT, réputé, la Rand Company, qui s'est occupé de forer tout le sous-sol américain, en tout cas, et voire plus, pour créer les cités souterraines, les DUMS, Deep Underground Military Bases, le système de communication avec des trains qui ont des wagons qui circulent à 1 500 km/h. Il me semble qu'ils font 20 minutes pour traverser les États-Unis et qui vont partout sous terre. Ils vont partout sur la planète par un réseau souterrain. Le MI6, Interpol, la CIA, le Mossad, d'autres agences de renseignement, à toutes celles qui sont liées par l'OTAN en plus, je suppose. Là, un petit récapitulatif. Et si on se rappelle de Ronald Bernard, eh bien lui, il était à ce niveau-là. Il vous dit, ces gens-là, ils vivent au-dessus. Ils ont des... Ils ont leur propre armée, leur propre loi, leur propre service de police, de renseignement. Et ces gens sont les politiciens dont on, qui contrôlent l'histoire qu'ils nous racontent. Là, un tableau auquel je ne me suis pas encore intéressé, mais qui s'appelle La mort en transit, la route de la mort, en fait. Et j'ai l'impression que ça lie tous les accidents volontaires qui ont été créés par des accidents de train, des accidents de bateau, des accidents d'avion, des accidents de foule. Donc vous avez la date et le nombre de morts. Et vous pouvez vous dire que tous ces accidents-là sont criminels. Ce n'est pas des accidents. À la Mecque, en 2006, quand il y a eu 362 morts par un mouvement de foule, par exemple, hein, par exemple, regardez, il n'y a que ça. Le 11 septembre, 2 996 morts par quatre accidents d'avion, enfin quatre disparitions de tous les. Ah. Moi, je pense qu'il n'y avait personne à bord, ou que s'il y avait du monde, c'était que des gens gênants. Ce sont des avions qui soit n'ont jamais existé, soit ont atterri, ont été remplacés par des drones, donc d'autres avions, soit vides, soit sans personne aux commandes. 98 aussi, il y a eu 118 morts à La Mecque. Tout ça, c'est volontairement créé. 90, ça n'arrête pas à La Mecque, hein, en fait. Vous imaginez bien, c'est un centre énergétique important et quand il y a 1 426 morts, il y a un dégagement d'énergie incroyable, de louche donc. Bon, je vous laisserai y aller si vous voulez. Encore un petit récapitulatif des sociétés secrètes quasiment officielles. Le comité des 300 est officiel, les Bilderberg c'est officiel, Tavistock ça existe, c'est officiel. Le Club de Rome, la CIA, Kissinger, la Trilatérale, le CFR, l'Institut Aspen pour les études humaines, le MI6. Les Nations Unies.
La compagnie des Indes orientales, anglaises et hollandaises, qui s'occupait du trafic d'opium en Chine. Double but, hein, financier et détruire la population, déstabiliser le pays. Un petit encart sur le temple de l'île des orgies d'Epstein, de Jeffrey Epstein, qui a financé l'intelligence artificielle, lui et ses collègues. Donc évidemment, une intelligence artificielle, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, je peux me répéter, dans ses programmes, à quoi? Elle a la protection de ses sources et la recherche de financement et l'amélioration, la facilitation du travail de tous ceux qu'elle doit servir. Mais bon, est-ce que c'est elle qui les sert ou eux qui la servent? Ben, tant que c'est qu'une machine, c'est elle qui les sert, mais quand cette machine est possédée par une entité, c'est elle qui se sert de tout le monde. Un joli récapitulatif avec nous, là, la foule en bas. Au-dessus de nous, nous sommes la population qui travaille. Au-dessus de nous, les religions, les militaires, la police, la justice, les prisons, les services de renseignement, les gouvernements, les médias. Au-dessus, il y a les corporations, donc le pétrole, IBM, DuPont, Monsanto, Big Pharma. Donc ça contrôle les ressources mondiales. Donc ça fournit le FMI, la BIS. C'est là que travaillait donc, c'est à ce niveau-là aussi, avec ces fonds-là que travaillait Ronald Bernard. Au-dessus de ces grandes banques, de ces grandes finances, il y a les think tanks, la trilatérale, le CFR, les Nations Unies, la table ronde, le Bilderberg, le Club de Rome, l'Institut royal des affaires internationales. Au-dessus, il y a le comité des 300. Au-dessus, il y a un petit groupe de couronne, enfin le Conseil des 13, qui sont les familles les plus puissantes et les plus riches de la planète. Et au-dessus, il y a le roi du monde, auquel Bob Dylan a dit, j'ai donné mon âme. Pourquoi faire? Ben, pour être à la place que j'ai aujourd'hui, encore en tête des chartes. Avoir l'argent, la réputation, la gloire. Une autre version, assez bien détaillée, ben c'est à peu près la même. On nous met quand même le pape noir là-haut, le pape blanc et l'antéchrist aussi. Le Vatican. L'Église romaine, les mérovingiens et les sionistes. Ici, une étude des moyens d'être criminel et de s'en sortir. Incroyable. 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 C'est vraiment bien travaillé, hein. Le moyen de manipuler l'opinion mondiale, l'opinion des populations par le biais des réseaux sociaux. L'utilité des gangs. Et de la même manière, l'utilité par les méfaits que ces gangs créent, la raison d'être de la police pour nous protéger, soi-disant, de ces gens-là, qui sont finalement jamais tellement impactés. La police devenant finalement une milice de protection de toutes ces organisations. Le fait que les réseaux sociaux sont un catalogue pour pédophiles. Vraiment, qui n'est pas en relation avec qui? Et un petit mot de Thomas Jefferson en 1807 qui avait dit: plus rien de ce qui est écrit dans les journaux ne peut être cru, la vérité elle-même deviendra suspicieuse en étant mise dans ces journaux. L'étendue réelle de
mes informations, des informations, n'est connu de ceux qui sont en situation de constater la relation entre les faits et leur connaissance de tous ces mensonges d'aujourd'hui. Et je vais finir sur ce schéma qui est maintenant connu, qui est une fuite. Il détaille les effets du harcèlement électronique par le biais d'armes à énergie dirigée en général. Et j'en ai fait une petite série de vidéos, c'est « La matrice décodée » de Robert Duncan, d'après le livre de Robert Duncan. Il faut savoir que suivant la fréquence qu'il vous envoie dans la tête, il vous transforme l'ambiance, l'atmosphère, il vous font flipper, il vous met en colère, il vous déprime, il vous rend malade, il vous font mal. Ils raccourcissent votre vie, ils la rendent insupportable, ils vous coupent dans vos élans et ils se débarrassent de toute l'opposition de cette manière. Le fait que c'est depuis 1974 qu'ils pouvaient faire ça. 1974. Jusqu'en 2004, ça faisait déjà 30 ans. On va rajouter donc une quinzaine, 45 ans. 45 ans de contrôle mental possible et effectif. 1955, antigravité. 1905, antigravité et énergie libre grâce à Tesla. Vous ne pensez pas qu'on a un petit retard là, rapport à l'évolution possible humaine, en pleine écologie, santé, amitié, sans compétition. Mais en fait, il y a eu le rapport d'Iron Mountain, de la montagne de fer, qui a déterminé que pour... une bonne santé économique, il ne fallait pas que cessent les guerres. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont fini par démolir tous les éléments de stabilité de tous les pays du monde. Et détailler, hein, techniquement parlant, la manière dont le signal électronique finit dans nos cellules. Et là, mais que vois-je ? Une télévision ! Non, si. Une télévision. Une télévision, c'est un poison pur. Même la machine elle-même... nous empoisonne, les infos qu'elle nous donne nous empoisonnent au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau subliminal dans tous les sens. Les champs magnétiques du téléviseur sont néfastes, enfin en tout cas les anciens comme ça étaient encore plus néfastes, mais aujourd'hui ils mettent carrément des émetteurs à infrasons inaudibles. Mais que font-ils là? Et donc je m'arrête là en disant mais jusqu'où ira cette spirale infernale? Jusqu'où ira cette spirale infernale. Voilà, je vous remercie d'avoir eu la patience de subir mon décortiquage de ce dossier. Je vous souhaite vraiment un bon courage. La patience, du calme, ne laissez pas prise aux entités suite à des débordements d'énergie, d'émotion, de colère ou autre. Communiquez le message, fréquentez le site que je vais vous remettre quand même. Mais voilà, donc c'était entre autres chez Dylan Lewis Monroe. Vous avez l'adresse, puis je vous la mettrai sous la vidéo. À bientôt, salut.